Mesdames et messieurs, avec votre aimable attention et votre permission, j'ai le grand honneur de vous présenter probablement l'un des hommes les plus remarquables du monde. Comment ça, remarquable? Il transpire! Cela n'est pas surprenant du tout, mes amis. Savez-vous que cet homme mémorise 50 faits nouveaux chaque jour que Dieu fait, et n'en oublie aucun, des faits relatifs à l'histoire, la géographie, pris dans les journaux ou les manuels scientifiques. Des milliers d'événements de toutes sortes. Songez à l'effort incroyable que demande un pareil tour de force. Plus costaud des deux, c'est toi, mon frisé. Je veux parler du tour de force de sa mémoire. Nous allons commencer. Mesdames et messieurs, énoncez vos questions. Il y répondra en toute liberté, sans rien masquer. Saluez, monsieur Mémoire. Je dois ajouter, mesdames et messieurs, avant de me retirer, que monsieur Mémoire a offert son cerveau au British Museum. Une question, je vous prie. Les dames d'abord. Oui, forcément, madame, depuis samedi dernier. Au bistrot, en tôle. Avec sa petite amie. Je vous en prie, une question sérieuse, voulez-vous? J'aimerais savoir qui a gagné le derby en 1921. Humoria de l'écurie Jack Joel, monté par Steve Delogou et arrivant en tête, coté 6 contre 1. Deuxième et troisième, Greg Aran et les Ménora. C'est bien ça, monsieur? Hé, hey, comment? Qui l'a gagné en 1936? Revenez en 1937 et je vous répondrai, monsieur. Quelle distance est Winnipeg de Montréal? Et qui a gagné la coupe en 1936? La coupe? Quelle coupe? De football, de fruits, de champagne? De football, patate. Quand les Gallois l'ont-ils emporté? En 53 avant Jésus-Christ, en présence de l'empereur Néron. Qu'est-ce qui donne la pépille aux volailles? Oh, ne sois pas si vulgaire, s'il te plaît. Si nous volaillons la pépille, j'y peux rien. Combien de courses a gagné Mac, le cul-de-jatte? Quel âge avait-vous? Il a été pendu, Jack l'Éventreur, et quand? Quel a été le dernier poids lourd de notre pays champion du monde? Henri VIII! Bob Fitzsimmons, il a battu Jim Corbett, champion des poids lourds américains, à Carson City, Nevada, en octobre 1897. Il avait à cette époque tout juste 34 ans. C'est bien ça, monsieur? Quel âge à May West? Je le connais, monsieur, mais jamais je ne dis l'âge d'une dame. Alors, au suivant. Quel âge à May West? Quel âge de ma grand-mère? Qui donne la pépille aux poules? Quelle distance de Winnipeg à Montréal? Veuillez répéter, je vous prie. Quelle distance de Winnipeg à Montréal? Ah, un monsieur qui vient du Canada. Soyez le bienvenu, monsieur. Winnipeg, troisième ville du Canada, est la capitale de la province du Manitoba. Elle est exactement à 2292 km de Montréal. Est-ce que c'est ça, monsieur? Absolument. Messieurs, non, messieurs, allons, allons, du calme. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez pas mis le matériel. Messieurs, jouer quelque chose, il faut arrêter cette panique. Allez, dépêchons. Enfin, on est sorti. Puis-je vous accompagner chez vous? Ah, c'est une bonne idée. Je trouve aussi. Après tout, ça vous regarde. Très bien, allons-y, le bus arrive. Oh, dis donc, quelle soirée!
Vous n'habitez pas ici constamment? Non, habituellement, je vis au Canada. Je ne suis ici que pour quelques mois. À propos, suis-je autorisé à connaître votre nom? Smith? Évidemment. Voulez-vous en savoir un peu plus sur moi? Comment croyez-vous que je gagne ma vie? Comme actrice? Pas comme vous l'entendez. Taxi girl? Non. Je ne vois pas. Je travaille à mon compte. Comme aventurière? C'est ça. Par ici. Vous allez trouver le salon un peu sans dessus-dessous, mais on refait les peintures. Attendez que je trouve l'interrupteur. Pas tout de suite. Maintenant. Monsieur Hannay, voudriez-vous avoir l'extrême obligeance de retourner ce miroir, s'il vous plaît? Vous préféreriez qu'il y ait des rideaux aux fenêtres? Oui. Je suis désolé. Ah, téléphone. Excusez-moi. Monsieur Hannay, ne répondez pas, je vous en prie. Quoi donc? Parce que je crois que c'est pour moi. Ne répondez pas, je vous en prie. Très bien, comme vous voudrez. Vous ne voulez pas vous asseoir? Volontiers, si vous envoyez ce tabouret jusqu'à moi. Vous aviez besoin de ça. C'est vrai. Merci. Je vous dois une explication. Vous ne me devez rien, je n'existe pas. Ce serait dangereux de parler ici. Très bien. Je peux. Cigarette? Non, merci. C'est encore votre ami. N'y faites pas attention. Me trouverez-vous sans gêne si je vous demandais un petit quelque chose à grignoter? Je n'ai rien pris de la journée. Non, bien sûr. Vous aimez le haddock? Oui, beaucoup. Je suppose que votre nom n'est pas réellement Smith. Ça dépend où je me trouve. Vous pouvez m'appeler Annabella. Annabella Smith, fille de pasteur, certainement. Seriez-vous nerveuse? Traumatisée par les coups de feu de ce soir? C'est moi qui les ai tirés. C'est vous qui... Oui, pour faire diversion. J'ai dû le faire car je devais partir de ce théâtre très vite. Il y avait deux hommes à l'intérieur. Et ils voulaient me tuer. Vous devriez choisir vos amis masculins avec un peu plus de soin. Non, 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 vous faites une grossière erreur. C'est vous qui ne me facilitez pas les choses. Une magnifique et mystérieuse jeune femme poursuivie par des tueurs. On dirait un roman d'espionnage. C'est exactement ce que c'est. Sauf que je préfère le mot agent à celui d'espionne. Agent? Et pour quel pays? Pour tous les pays qui me payent bien. Mais quel est votre pays? Je n'ai pas de pays. Né sur un bateau, c'est ça? Bon, allez, on n'en parle plus. Bien, je suppose que vous êtes venu ici pour découvrir un secret d'État de toute première importance. Non, je suis ici pour éviter qu'un agent d'un pays étranger le découvre. Un secret d'une importance capitale pour l'Angleterre. Je n'ai pas un goût immodéré pour ce pays, mais il paie le prix que j'ai demandé. Merci. Vous devez savoir qu'un des plus doués des agents d'une très grande puissance étrangère est sur le point d'obtenir un secret d'État vital pour votre défense aérienne.
J'ai suivi tout à l'heure deux de ses comparses jusqu'à ce music hall. Seulement, ils m'ont tout de suite repéré et maintenant, ils sont à mes trousses. Comme c'est ennuyeux. Avez-vous déjà entendu parler de la manie de la persécution? Vous ne me croyez pas? Pour être franc, non. Dans ce cas, jetez un coup d'œil dans la rue. Gagné. Ils sont là? Oui. J'avais espéré les avoir semés. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qu'il n'est jamais très encourageant de savoir. Mais maintenant qu'ils nous ont suivis jusqu'ici, voilà impliqués autant que moi. Que voulez-vous dire? Avez-vous déjà entendu parler des 39 marches? Non, c'est quoi, un bar? Peu importe. Croyez-moi, je ne suis pas aussi folle que j'en ai l'air. Ce que je vous ai dit est vrai. Ces hommes sont capables de tout. Je suis la seule personne qui puisse les faire arrêter. Si on ne les intercepte pas, ce n'est qu'une question de jours, peut-être d'heures. Mais ils font sortir ce secret de ce pays. Pourquoi ne téléphonez-vous pas à la police? Parce que, comme vous, jamais la police ne voudra me croire. Et s'ils me croyaient, cela ne signifie pas pour autant qu'ils courront aussitôt après eux. Ces hommes sont efficaces, ils agissent vite. Vous n'imaginez pas à quel point leur chef est intelligent et cruel. Qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Il change de nom constamment. Et il en est ainsi de son aspect physique. Mais il y a une chose qu'il ne peut déguiser. C'est ça. Il lui manque une partie du petit doigt. Si vous rencontrez un homme un jour à qui il manque cette phalange, je vous en prie, soyez extrêmement prudent. Merci, j'en prends bonne note. Alors, qu'allez-vous faire en attendant? D'abord, déguster mon haddock. Et ensuite, si vous n'avez pas l'intention de me jeter à la rue, je dormirai volontiers quelques heures. Je vous offre mon lit avec joie. Je coucherai sur le divan à côté. Et avec ça, ce sera tout. J'aimerais bien une carte de l'Écosse. Pourquoi l'Écosse? Il y a un homme en Écosse que je dois absolument voir dès que je le pourrai. C'est très important. Est-ce que ces 39 marches se trouvent en Écosse? Peut-être vous le dirai-je demain. Pas aussi folle que j'en ai l'air. Ce que je vous ai dit est vrai. Ces hommes sont efficaces et ils agissent vite. Un homme en Écosse que je dois absolument voir dès que je le pourrai. C'est très important. Ce n'est qu'une question de jours, peut-être d'heures. Mais ils feront sortir ce secret de ce pays. Parce que, comme vous, jamais la police ne voudra me croire. Attention,
Ces hommes sont très efficaces. Ils agissent vite. Vite. Monsieur, vous êtes tombé du lit ce matin. Venez. Que diriez-vous d'un billet d'une livre? Pourquoi ce cadeau? Je veux votre casquette et votre blouse. Pas si vite. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je veux partir de cette maison. Comme ça? Oui. Et pourquoi vous partez? Je vais vous faire une confidence. Un meurtre a été commis au premier étage. Par vous? Non, non. Non, par ces deux hommes là-dedans. Ah oui. Et je suppose qu'ils attendent bien tranquillement qu'un flic vienne les embarquer. Et c'est vrai, je vous assure, ce sont des espions de l'étranger. Ils ont tué une femme dans mon appartement, et ça va être mon tour. Oh, vos blagues, c'est pas drôle, à 5 heures du matin. Oh, d'accord, d'accord. Je vais vous dire la vérité. Vous êtes marié? Oui, mais c'est pas le plus drôle. Où voulez-vous en venir? Bien, moi pas, je suis célibataire. Ah, oui. Une femme mariée habite au premier étage. Ah, oui. Oui, enfin, je viens de passer un moment avec elle. Je voudrais rentrer chez moi. Qu'est-ce qui vous en empêche? L'un de ces hommes est son frère et l'autre est son mari. Vous saisissez? Et pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, mon vieux? Il n'y avait qu'à parler, moi j'aurais tout de suite compris. Au lieu d'essayer de me faire marcher avec vos histoires à dormir debout, passez la blouse et voilà la casquette. Ça va? Ouais, voilà pour vous. Ah non, 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 c'est trop, c'était de bon cœur. À charge de revanche un jour. Et laissez le canasson au coin de la rue. Salut, collègue. Au revoir, merci. Oh, les bouteilles vides. Simple raison, elles sont beaucoup plus jolies qu'elles n'étaient il y a 20 ans. Plus jolies. Ah oui, et plus naturelles. Oui, tu as raison. Encore maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment ce modèle a séduit. Des baleines qui vous rentrent partout. Ah, peut-être, mais ce vieux modèle est inusable. Ça, je ne sais pas. Les mieux durent environ un an. Attends, je vais te montrer. On n'arrête pas de me demander celui-ci. Le vieux modèle. Ma femme. Et notre dernière création. C'est le tout premier de notre nouvelle collection, intitulée La Ligne Fourreau. Il y a quelque chose qui va avec. Mais comment? Ça. Ah. Vous mettez ça sur une jolie fille, elle serait irréprochable en toutes circonstances. Ben, je te crois, ramène-le quand ta jolie fille sera dedans. Très bien. Où sommes-nous? Édimbourg, Waverley? Oh, ben, nous avons le temps. Ben, j'espère que vous nous pardonnerez d'avoir parlé à faire, mon père. Bien sûr, bien sûr. Pardon. Bonne journée. Merci. Bonne journée. C'est un pasteur moderne. Je parie qu'il est fort pour les charades. Oh, je me demande qui a gagné la dernière à Windsor. Il n'y a qu'à acheter un journal. Monsieur? Hé, hey, petit, donne-moi la dernière édition, celle de la matinée. Dernière édition de la matinée. Ça alors? Eh oui, hein, qui a gagné? Encore une femme assassinée dans un appartement du West End. Quoi? Une femme assassinée dans un appartement du West End. Mais tous ces crimes passionnels me laissent de marbre. Ah, Brismott. Ah, c'est bien. 7 contre 4. Ah, ça, c'est moins bien.
Portland Place. Ah ben oui, à Portland Place. Près de la BBC. C'est un joli coin bien tranquille pour assourdir quelqu'un. Bonsoir tout le monde. Oh, bonne nuit. Oh. Très drôle. Comment est-elle? Pas mieux que les autres. Eh bien, c'est une femme d'environ 35 ans avec un couteau dans le dos. Le locataire Richard Hannay a disparu. Il est pas si bête. À 7h ce matin, la femme de ménage Elizabeth Briggs. Ça, alors, c'est vraiment le comble. Qu'est-ce qu'il y a encore? N'y a-t-il plus d'honnêteté en ce bas monde? Je te le demande, le nouveau corset culotte ligne juste au corps en latex, en vente aujourd'hui chez McCulotte Frère Princess Street, prix 17 shillings. Et pour 5 shillings de plus, votre soutien-gorge. Tu entends ça? Leur juste au corps est à 1 shilling 3 pence moins cher que notre ligne fourreau. Inutile d'aller à Aberdeen maintenant. Je peux jeter un coup d'œil sur votre journal? Certainement. Tous les détails sur cette mystérieuse affaire dans votre journal habituel. Et des sous-titres sur l'assassinat de Portland Place. Vous trouverez tous les détails dans votre journal habituel au pays habituel. J'ai bien vu qu'on allait manquer. Tu t'énerves toujours pour rien. Il y a assez de preuves là-dedans pour faire pendre quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Est-ce que vous savez quel est le prochain arrêt? Pour qui vous me prenez? Pour le chef de gare? Vous n'avez qu'à le voir, vous me direz. J'en connais une bien meilleure que celle-là. Non, impossible, celle-là était très drôle. Eh bien, connais-tu l'histoire de la jeune fille de Honga? Je ne crois pas, mais tu m'en as tellement oui, raconté. Oui, mais pas celle-là. Il y avait une jeune fille à Honga. Ah, très belle. Prendrez-vous du thé, monsieur? Oui, merci. Je dois vous revoir. Il y a là quelqu'un qui prend un petit acompte. Oh, je ne savais plus que faire. Pardonnez-moi, j'y ai été forcé. Je m'appelle Hannay, ils me poursuivent. Je vous jure que je suis innocent. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que je reste libre quelques jours. L'un de vous a-t-il vu un homme traverser le couloir il y a quelques minutes? Voici l'homme que vous cherchez, je crois. Tant quand nous sommes passés il y a un instant... Il m'a embrassé de force et m'a dit s'appeler Hannay. Vous vous appelez Hannay? Non. Venez-vous prendre votre thé, monsieur? Je viens, dans une seconde. Tire le signal! C'est contre tous les règlements d'arrêter un train sur un pont. Un homme vient de sauter. C'est un assassin, nous devons l'arrêter. De quel côté est-il allé? Il a dû sauter ici, mais je le vois pas. Êtes-vous sûr qu'il a sauté? Je peux pas m'attarder plus longtemps. Le voilà qui monte dans le train. Non, c'est un passager. C'est lui, je vous dis. Bon, alors je viens avec vous.
édition spéciale. L'assassinat de Portland Place. Tous les détails sur cette ténébreuse affaire dans vos journaux de la mi-journée. Demandez notre édition spéciale sur l'assassinat de la mystérieuse jeune femme de Portland Place. Demandez notre édition spéciale. Signalement du suspect, taille 1m75. Petite moustache. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un costume sombre. Mais il a peut-être réussi à changer de vêtements. Bonjour. Bonjour. Quel métier vous faites ? Je suis mécanicien auto et je cherche une place. Vous ne trouverez rien par ici. Est-ce qu'il n'y a pas de grande maison dans le coin ? Il n'y a que Sorandos, il n'a pas besoin de vous. Il a le même chauffeur depuis 40 ans. J'ignorais que les voitures existaient depuis si longtemps. Dans sa jeunesse, il a même été cocher, figurez-vous. Ah, je vois. Et c'est quoi ça ? C'est le presbytère, mais le pasteur n'a pas de voiture. Il y a des nouveaux venus dans le pays ? Il y a un Anglais, en effet, une sorte de professeur. Un professeur? Il habite à Altnachala. Et où ça? Altnachala, de l'autre côté du lac. Ce n'est pas bien loin du village, si je ne me trompe. Non, pas du tout, c'est à côté. Merci, je vais essayer d'y aller. Oh, impossible ce soir, c'est à 20 km. Croyez-vous que le chauffeur de cette camionnette m'y conduirait? Non. Non, il va dans la direction opposée. Eh bien, vous avez raison. Est-ce que vous pourriez me loger pour la nuit ? Pour rien ? Non, non, je paierai. Aimez-vous les harengs ? Oui, je les préfère au caviar. Les caliclos, ça ira ? Faudra bien. 2 shillings. Prenez-les tout de suite, merci. Rentre avec ce monsieur. Il reste avec nous jusqu'à demain matin. Votre fille ? Ma femme. Si vous voulez vous donner la peine. Merci. Voici votre lit. Oh, je vais enlever ce qu'il y a dessus. Vous croyez que vous pourrez dormir là? Je ne vois pas ce qui m'en empêcherait. Oh, vous êtes fatigué. Oui, assez fatigué, je l'avoue. Je cours le pays à la recherche d'un emploi. Installez-vous mieux que ça, et pendant ce temps, je vais m'occuper du dîner. Oui, merci. La piste du meurtrier de Portland Place mène en Écosse. Il y a longtemps que vous êtes dans la région ? Non, je viens de Glasgow. Est-ce que vous connaissez ? Non. Oh, vous devriez voir Sacheol Street avec tous ses beaux magasins. Et Archil Street, vous savez, le samedi soir, avec les trams et les lumières, et les cinémas avec leurs enseignes et la foule sur les trottoirs. Et justement, on est samedi soir. Vous n'avez pas tout ça ici, c'est certain. Non. Ça vous manque ? Oh, ça m'arrive. Je n'ai jamais été à Glasgow, mais j'ai été à Édimbourg, à Montréal et à Londres. Je vous parlerai de Londres, si vous voulez, pendant le dîner. John n'appréciera pas, j'en ai bien peur. Mais pourquoi donc ? Il dit qu'il vaut mieux ne pas penser à des endroits pareils où il y a tant de débauches. Je peux vous raconter ce qui vous intéresse avant qu'il ne revienne ? Que voulez-vous savoir ? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que toutes les femmes se peignent les ongles ? Oui, il y en a qui le font. Et est-ce qu'elles sont toutes jolies, les femmes, à Londres ? Oui. Mais on ne les remarquerait pas si vous étiez à côté d'elle. Oh, vous ne devriez pas dire ça. Qu'est-ce qu'il ne devrait pas dire ? J'étais en train de dire à votre femme que je préférais vivre en ville plutôt qu'à la campagne. Dieu a fait la campagne. Alors, le dîner est prêt ? Je peux vous emprunter votre journal ? Bon, ne vous gênez pas. Merci. La piste du meurtre de Portland
des semaines en Écosse. Incident mouvementé sur le pont de Forth. Comment vous appelez-vous? Hammond. Eh bien, monsieur Hammond, veuillez poser ce journal, s'il vous plaît. Je vais dire la prière. Ah oui, bien sûr. Sois remercié, Seigneur, pour ta libéralité envers nous, misérables pécheurs. Fais que nous t'en soyons toujours reconnaissants, ainsi que pour tes nombreuses bénédictions. Aide-nous à détourner sans cesse nos cœurs de la tentation du mal et des choses terrestres pour les diriger vers toi. Amen. J'ai oublié de fermer la porte de la grange. Il y a des voitures qui arrivent. Ça doit être la police. Vous devriez partir. Merci. Et dire que je dormais si bien. Faites vite, sinon ils vous attraperont. Je suis prêt. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Quel côté je vais? Je vais vous montrer. Ah oui. Je m'en doutais. Vous étiez en train de faire l'amour, crapule. Laisse-nous. Mais je vous en prie, laissez-nous. Silence. Allez-vous-en avant que je... Oui, partez. Partez. Je vous laisserai pas seul en face c'est de... C'est votre seule chance. Vous n'avez rien compris. Écoutez, vous vous trompez, votre femme essayait de m'aider. Oui, à faire entrer le malheur dans ma maison. Non, elle voulait m'aider à échapper à la police. La police? Oui, la police, je suis recherché pour meurtre. Quoi? Ça y est, ils sont ici. Elle est venue pour m'avertir et j'ai dû la mettre au courant hier. Je vous en prie, ne dites pas que je suis là, je vous paierai pour ça. Combien? 5 livres. Vous avez 5 livres sur vous? Oui. Donnez-les-moi, après leur départ. Remettez-vous au lit, enferme-le, cache-le. Non, non, pas par là. Je n'ai pas confiance en lui. Mais il a pris l'argent. Mais ça ne changera rien. Venez. Que vous venez faire à une heure pareille chez les gens? Vous n'avez pas vu un homme, un étranger? Non. Est-ce qu'il y a une récompense si je le voyais par hasard? J'avais raison. Il est en train de leur demander s'il y a une récompense s'il vous dénonce. Bon, je le connais. Il va marchander un bon moment avant de les faire entrer. C'est l'instant ou jamais. Oh, votre veste est affreusement claire. Ils vont vous voir à des kilomètres. Tenez, mettez ce manteau. Mais c'est celui de votre mari? Oui, c'est celui du dimanche. Mais ça ne fait rien. L'important, c'est mais de les semer. Mais que va-t-il vous arriver? Bien, je dirais que vous l'avez pris de force. Vous ne créez aucun danger? Non, il va m'assommer de prières, c'est tout. Comment vous appelez-vous? Marguerite. Au revoir, Marguerite. Jamais je ne vous oublierai. Voyez-vous en les montagnes.
Votre maître est-il là? Qui dois-je annoncer, monsieur? Peu importe, demandez-lui s'il connaît mademoiselle Annabella Smith. Voulez-vous attendre ici? Je vais aller demander. Oui, oui, bien sûr. Nous devrions interroger les habitants de cette maison. Oui, quelqu'un a pu le voir par les fenêtres. Il y a eu deux voitures dans cette cour. Oui, mais les meurtriers ne font pas de visite en voiture, en général. Bonjour, jeune fille. Que puis-je pour vous, messieurs? Avez-vous vu des inconnus par ici ce matin? Nous avons des visiteurs là-haut, seulement ce ne sont pas des inconnus. Vous n'avez vu personne de suspect en regardant par la fenêtre ou qui aurait sonné à la porte? Non, monsieur. Je crois bien que personne n'est venu ici depuis une demi-heure. Vous venez de la part d'Annabella? Oui. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de ma fille, Hilary, cher monsieur. Donnez-moi 5 minutes pour saluer mes amis et je suis à vous. Mais je vous en prie. Je vais vous présenter ma femme, venez. Louisa, ma chère, je t'amène un autre invité. Voici monsieur... J'ai oublié de vous demander votre nom. Hammond. Monsieur Hammond. Il est venu spécialement de Londres pour parler affaires. Il y a un inspecteur de police là-dehors, il dit qu'il veut vous parler. Un inspecteur? Très bien, très bien, je viens. Fais-le entrer, ma chère, et occupe-toi de lui. Je vais vous présenter mes filles. Celle-ci, c'est Patricia. Bonjour. Madame Bellet, Madame Hunt. Oh, Hilary, ma chérie, voici monsieur... Hammond. Monsieur Hammond, c'est ça. Il vient d'arriver de Londres. Bonjour, monsieur Hammond. Bonjour. Pardonnez cette orgie, mais nous sommes allés à l'église et le sermon a duré plus de 3 quarts d'heure. Voici le capitaine et madame Ogilvy. Voulez-vous du feu? Monsieur Hammond. Voici Derek. Derek Stewart. Et voici le shérif Watson. Vous devez être très poli avec lui. C'est votre juge de première instance. Façon écossaise de dire commissaire. Dès qu'il pose les yeux sur vous, vous êtes condamné. Rassurez-vous, tout va bien. Je viens de les renvoyer. Venez voir quelle belle vue nous avons de cette fenêtre, monsieur Hammond. Merci, ma chérie. N'est-ce pas qu'elle est superbe? À propos, shérif, quand allez-vous arrêter cet assassin? L'assassin? Quel assassin? Comment, vous n'êtes pas au courant? Il s'agit de l'homme qui a poignardé cette femme à Portland Place il y a une semaine. Il est ici dans la région. C'est follement excitant. Où est-il, shérif? Oh, dans les environs. On l'a vu dans la lande, sur le pont d'Orchers ou je ne sais plus où. Shérif, pourquoi ne l'attrapez-vous pas? Vous n'aimeriez pas qu'on me plante un couteau à cuisine dans le dos, n'est-ce pas? Oui, mais ça, ce n'est pas mon affaire. Qu'on l'attrape et je le condamnerai. Y a-t-il une récompense? Bonté divine, il est presque 1 heure. Jim, il faut que nous partions. Le professeur doit déjeuner. Oh, rien de presse. Mais si vous devez partir, Pat. Fais avancer la voiture du capitaine, veux-tu? Oui, père. J'espère que vous allez faire la pêche. Je compte sur vous. Bonjour, monsieur. Absolument. Vous verrez, il y a des trucs magnifiques. Bien, qu'on s'en voit, chérie. C'est un peu très réussi. Oh, j'espère. Au revoir, ma chère. Au revoir, Louisa, et merci. Lorsque vous l'aurez attrapé, amenez-le-moi. Je suis au tribunal à 10 h tous les matins. N'oubliez pas. Comptez sur nous. Être sérieux n'évite pas le danger, au contraire. Louisa, ma chère, veux-tu nous excuser? Monsieur Hammond et moi, nous avons bavardé un peu avant le déjeuner. Alors, monsieur Hannay, je suppose que je peux maintenant vous appeler par votre véritable nom. Quelle nouvelle de notre amie commune, Annabella? Elle a été poignardée. Poignardée? Ah, l'affaire de Portland Place, oui. C'est pour ça qu'il vous recherche, évidemment. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Bien entendu. Mais pourquoi vous êtes-vous déplacé jusqu'en Écosse pour me parler de ça? Elle devait vous voir, je crois, à propos d'un secret du ministère de l'air. Elle a été tuée par un agent de l'étranger qui s'y intéressait lui aussi. Vous en a-t-elle fait la description? Elle n'a pas eu le temps. Il m'a juste dit qu'il lui manquait une phalange au petit doigt. Auquel? Celui-ci, je crois. Ne serait-ce pas plutôt celui-là? Le déjeuner est servi. J'arrive tout de suite. Cher monsieur Hannay, pardonnez-moi, mais je crains fort de vous avoir fait marcher. Courir ou marcher, je ne peux jamais me rappeler. Les deux mots conviennent dans cette situation. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Et voilà justement la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Je mène ici la vie d'un respectable citoyen. Et vous devez comprendre, j'imagine, que mon existence serait mise en péril si l'on apprenait que je ne suis pas, comment vous dire, ce que je parais être.
Ah, monsieur Hannay, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi m'avez-vous mis contre mon gré dans cette situation délicate? Je ne peux pas vous enfermer dans une de nos chambres ici. Il y a ma femme et mes filles, vous comprenez? Je ne sais que penser. Maman, je ne sais pas. Il me paraît d'autant moins possible de vous laisser quitter ces lieux que je suis sur le point de faire sortir de ce pays des renseignements d'une extrême importance. Eh oui, je les ai. La pauvre petite Annabella, de toute façon, serait arrivée trop tard. Bien, tout est dit. Oui, qu'en pensez-vous? À propos de quoi? À propos de vous. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule issue. Et quelle est-elle? Supposons que je vous ai laissé seul avec ce revolver. Demain, les journaux pourraient parfaitement annoncer que le meurtrier de Portland Place s'est fait justice. Je croyais que tu devais venir déjeuner tout de suite. Nous t'attendons tous. Monsieur Hammond est des nôtres? Non, je ne crois pas, chérie. Eh bien, qu'avez-vous décidé, monsieur Hannay? Bon, je crains fort que vous ne me laissiez pas le choix. Je ne trouve plus mon livre de cantiques. Mais où l'avais-tu laissé? Dans la poche intérieure de mon manteau. Il était accroché là. Oh, John, je... Mais je l'ai donné à ce monsieur qui avait passé la nuit ici. Une balle qui se loge dans un étui à cigarette, c'est arrivé, mais dans un livre de cantiques, je n'ai vu ça qu'au cinéma. Ah, elle n'a pas réussi à traverser le bouquin. Je n'en suis pas surpris, monsieur Hannay. Ces cantiques sont si mortels qu'elle y est restée. Ça ne vous tue pas, ces hymnes religieux, vous, hein? Apparemment, non. Shérif, là, il m'aurait plutôt sauvé. Ah oui, elle est bien bonne, monsieur Hannay, elle est bien bonne. Quand je pense qu'il y a moins d'une heure, je buvais son champagne, je n'en reviens pas. C'est une leçon pour nous tous, monsieur Hannay. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui le jour du sabbat. Et comment vous êtes-vous échappé? Si vous voulez regarder par la fenêtre, vous le verrez. Ils ont mis le corps dans le cabinet de toilette et quand je suis revenu à moi, j'ai emprunté ce costume pour éviter qu'un de ces hommes ne me reconnaisse et j'ai pris sa voiture. Shérif, loin de moi l'idée de vous presser, mais n'y a-t-il pas des mesures qui s'imposent? C'est sérieux, je vous assure. Si ça ne l'était pas, je ne serais pas venu me mettre entre vos mains alors que je suis accusé de meurtre. Oubliez cette accusation de meurtre, monsieur Hannay. Je ne doute pas que vous arriviez à convaincre Scotland Yard de votre innocence aussi aisément que vous m'avez convaincu. La seule chose, c'est que vous devrez me faire en quelques mots une déclaration que je ferai parvenir à l'autorité. Entendu. Un inspecteur va venir recueillir votre déposition. Merci. Vous avez quelque chose d'urgent à me dire? Oui, parfaitement. Croyez-vous que ce soit amusant de perdre du temps avec un assassin? Un assassin? Certainement. Hannay, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusé du meurtre avec préméditation d'une femme inconnue à Portland Place à Londres mardi dernier. Emmenez-le. Mais chérie, je viens de vous dire exactement ce qui s'est passé. Pas un mot qui ne soit vrai. Je vous connais, vous les Londoniens. Vous croyez que nous sommes des demeurés en Écosse, mais c'est faux. Est-ce que vous pensez que j'ai gobé cette histoire à propos du professeur qui est mon meilleur ami dans la région? Appelez le professeur Jordan. Mais si le professeur n'a rien fait, alors qui a tiré cette Elle balle? Elle a été tirée par l'un de ceux qui vous poursuivaient sur la lande, n'est-ce pas, inspecteur? C'est exact, monsieur. Je suis sûr de l'avoir touché. J'exige que vous téléphoniez au Haut Commissariat du Canada à Londres. Le mieux est de téléphoner de Londres. Vous allez y être très vite. Quoi? Le téléphone coûte une fortune depuis l'Écosse. Il y a la voiture du professeur. Je suis prêt à parier qu'Hannay vendra la mèche. Arrêtez-le! Commencions à être inquiets. Pamela est allée vous chercher à la gare. Venez par ici, par ici. Au nom de notre honoré
les chefs et porte-étendard en personne. Je suis particulièrement heureux que me soit donnée l'occasion de discuter avec vous d'une autre question essentielle pour la grandeur de notre pays, en cette heure critique et capitale. Mais avant toute chose, et comme préliminaire, je vais prendre quelques instants de votre temps pour préciser quelques détails qui... Oui, c'est ça. Et la messieurs, je vais maintenant donner la parole à l'orateur de la soirée. Plus fort ! Il est inutile de vous dire qui il est, ni de vous parler de sa brillante carrière d'officier et d'homme d'État. C'est un enfant de l'Écosse qui a traversé la frontière et conquis l'Angleterre, et qui est maintenant l'une des figures les plus en vue du monde diplomatique et politique de la grande cité de Londres. Je vais lui demander de vous dire quelques mots. Il est très important que dans cette circonscription où a lieu cette élection partielle, notre candidat obtienne une large majorité. Voici donc notre ami le capitaine Fraser. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi pour cette hésitation à me lever il y a un instant, mais sachez en deux mots qu'il ne m'est pas du tout venu à l'esprit en écoutant le portrait flatteur que le président a tracé de votre candidat, que ce candidat si brillant, c'était moi-même. Quant à vous, laissez-moi vous dire du plus profond de mon cœur quel bonheur est le mien de me trouver ici. C'est vrai, je suis très sincèrement comblé et ravi de me trouver en votre présence en cette minute. Ravi, d'abord à cause de votre accueil si amical, mais également ravi et soulagé d'être sur cette estrade en un pareil moment. Je suis délivré momentanément de mes soucis et angoisses qui m'étreignent, comme beaucoup d'autres hommes, dans ma situation. Lors de ma venue dans cette belle Écosse, il y a quelques jours, à bord du train Highland Express, sur ce magnifique ouvrage d'art, le pont de Fonf, ce monument dû au génie des techniciens écossais et à leurs muscles... À cet endroit précis, j'étais loin de me douter que quelques jours plus tard, je me trouverais en train de faire un discours à une importante réunion politique du comté. J'avais prévu, je l'avoue, un tout autre programme bien différent. Oui, vraiment différent. Vous auriez préféré peut-être aller chasser la perdrix? Oui, et je l'aurais manqué car je suis mauvais chasseur. Quoi qu'il en soit, je ne me doutais pas que j'allais parler ce soir pour apporter mon soutien à ce brillant et jeune politicien qui monte... Ce jeune homme à ma droite, déjà connu de vous comme un excellent shooter, ne loupera pas son essai et il va marquer en politique. Ça signifie qu'il sera votre futur député au Parlement. Voici votre candidat, Monsieur Crocodile. Il ne connaît pas le nom du candidat. C'est incroyable. Je connais votre candidat, mesdames et messieurs, et je vous demande de me pardonner de parler de lui en lui donnant le surnom sur lequel il est déjà connu d'avance, et veuillez en prendre note, à la Chambre des députés. Maintenant, chers amis, parlons de ce qui vous préoccupe. Par quoi commence-t-on ? Par la pêche aux harengs. Le chômage. Que pensez-vous des riches oisifs ? Les riches oisifs ? Je trouve ce sujet un peu démodé de nos jours, en particulier pour moi, parce que je ne suis pas riche et je n'ai jamais été oisif. J'ai vraiment été très occupé jusqu'ici et j'espère l'être encore plus. Avez-vous déjà travaillé de vos mains ? En effet, très souvent. Et en plus, je sais ce que c'est que la solitude et la misère d'avoir le monde entier contre soi. Ce sont des choses que ni un homme ni une femme ne devraient subir. Et je demande à votre candidat et à tous ceux qui aiment leurs semblables de tout mettre en œuvre pour que ce monde soit un peu plus humain. Un monde où aucune nation ne complotera contre une autre nation. Un monde où il n'y aura pas de persécution, où personne ne se sentira traqué. Où l'individu sera respecté, où en un mot, il aura sa chance sans qu'on porte de jugement sur lui. Un monde qui bannira à jamais l'intolérance, la cruauté, l'injustice et la persécution. C'est cela le monde que je veux. Et vous, est-ce le monde que vous voulez ? Très bien ! Vous êtes mis en haleine le temps que vous arriviez. En tout cas, une chose est sûre, vous manquez pas de souffle. Eh bien, je suppose que vous pensez avoir été une petite futée. Inspecteur, veuillez dire au prisonnier de ne pas m'insulter. Essayez de m'en empêcher. Allez, ça va, suivez-moi. Il est impossible que vous n'ayez pas compris que je disais la vérité dans ce train. Vous auriez dû voir que j'étais sincère.
Mais que vous me croyez ou non, veuillez appeler, je vous prie, le Haut Commissariat du Canada à Londres et lui dire qu'une information d'une très grande importance, ah, ça suffit, d'une importance capitale, est sur le point d'être sortie de ce pays par un agent étranger. Je ne peux rien faire moi-même à cause de ce crétin de policier. Est-ce bien enregistré? Tout ça ne tient pas debout. Racontez-moi une autre histoire. N'avez-vous donc aucun bon sens? Appelez le Haut Commissariat du Canada et demandez-leur de me contacter. Voulez-vous faire ça? Non. Bonne nuit. Je vous demande pardon, mais nous souhaiterions que vous veniez aussi. Pourquoi faire? Afin d'identifier formellement le prisonnier. Voulez-vous me suivre au commissariat? Quoi? Non, ce ne sera pas bien long. Très bien, si c'est absolument nécessaire, alors finissons-en. J'ai l'impression que notre ami va nous quitter, et je voudrais qu'avec moi, vous le remerciez de son... Vous d'abord. Dois-je m'asseoir à côté de ce monsieur? Oh, le commissariat est tout prêt. Ah, je vous en prie, faites vite. Allons-y. Mais c'était là, le commissariat. Nous l'avons dépassé. Dites à votre... Non, je crains que vous n'ayez mal compris, mademoiselle. Nous n'allons pas à ce commissariat. Ah oui? Et où allons-nous? À une verrerie. Inverary? Oui, mademoiselle, cet homme doit être interrogé par le shérif principal. Nous avons reçu l'ordre de l'emmener directement là-bas. Mais pas celui de m'y emmener, moi. Non, mademoiselle, mais il est préférable que vous y alliez. Je veillerai à ce qu'on vous renvoie le plus tôt possible. Combien de kilomètres jusqu'à Inverary? 65. Oh, j'allais la boucler. Oh, pardon. Oh, ça prendra 2 heures, tout au plus. 2 heures? Vous croyez que je vais passer la moitié de la nuit avec vous trois? J'en ai peur. Votre chauffeur a dû se tromper, cette route va vers le sud. La route d'Inverary, c'est sûrement l'autre. Le pont est effondré sur la route directe, mademoiselle. Nous devons faire un détour. Le chauffeur connaît le chemin. Je peux voir votre mandat d'arrêt? Oh, fermez-la, vous le verrez quand on sera au commissariat. Voulez-vous faire un petit pari avec moi, Pamela? Alors je vais parier avec vous, Sherlock. Je parie à 100 contre 1 que votre shérif principal a un petit doigt auquel il manque une phalange. Ce n'est pas vrai? J'ai gagné. Allez, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Ah, ce sont les troupes du shérif. Ah, ils prennent toute la route, ces imbéciles de moutons. Descendez, chassez-les. Et lui? Je vais arranger ça. Vous voilà agent supplétif. À quoi ça rime? Est-ce que je peux tant le savoir? Tant que vous restez, il reste. Ah. Bon, si je décide de m'en aller, vous me suivez? Arrêtez-les! Ils se sont échappés! Oh. Dépêchons-nous, sauvons-nous! Pas moi! Venez! Où sont-ils passés?
encore une fois au secours, je vous tue et je me tue ensuite. Remontons en vitesse, tournons pas en rond. Cherchons-les. Nous les avons semés, je crois. Ah, non, ne faites pas ça. Arrêtez de siffler. Et pourquoi faites-vous tout ça? Quelle chance avez-vous de réussir en étant attachée à moi? Gardez cette question pour votre mari, car il paraît évident que vous n'êtes pas une femme légère. C'est certain, et si vous voulez dire par là que je vous gâche la vie, tant mieux. Enfin, voyons, cela vous mène-t-il? Les policiers vous arrêteront dès qu'il fera jour. C'est possible, mais ce ne sont pas des policiers. Et quand avez-vous découvert ça? C'est vous qui l'avez découvert, je n'avais pas deviné que c'était la mauvaise route pour une verrerie. Ils nous conduisent chez leur chef et que Dieu nous vienne en aide si par malheur ils nous retrouvent. Je vois, vous allez encore m'asséner votre petite histoire d'espionnage de Katsu. Ah. Je ne sais combien de millions de femmes il y a en Angleterre et c'est à vous que je suis enchaîné. Bon, écoutez, écoutez encore une fois et je vous jure que c'est la vérité. Je vous ai parlé de ça dans le train la semaine dernière et j'ai essayé de vous le redire à ce meeting ce soir. Je vous le répète, pour la troisième et dernière fois, il y a une dangereuse conspiration contre cette nation et nous sommes les seuls à pouvoir l'arrêter. Pensez à ce que vous avez vu se produire sous votre nez. Le preux chevalier au secours de son roi. Très bien. Je ne suis qu'un petit, qu'un minable assassin qui a poignardé sauvagement une jeune femme sans défense il y a à peine 4 jours. Comment vous vous arrangez avec ça? Je ne sais pas si vous, vous êtes innocente, mais vous êtes une femme sans défense. Vous êtes seule sur une lande désolée, par une nuit sans lune, attachée par des menottes, un assassin qui est prêt à tout pour se débarrasser de vous. Si c'est la situation que vous préférez, ma belle, eh bien vous êtes servie. Vous ne me faites pas peur. Sachez-le, je suis capable de tuer une femme par semaine. Alors je vous conseille à partir de maintenant de faire tout ce que je vais vous dire, et ça sans discuter, sans rechigner, de le faire très vite. Vous n'êtes que... brute. Votre courage me plaît. Venez. On va entrer là. Pourquoi faire? C'est mon affaire. Mais c'est... N'oubliez pas ce que j'ai dit, vous obéissez sans rechigner. Nous allons entrer là et vous n'essayez pas de me contrarier d'une façon quelconque. Est-ce que c'est bien enregistré dans votre petite tête de mule? Non, pas tout à fait. Eh bien, faites un petit effort et mettez votre main dans ma poche. Ayez l'air essoufflé. Allons-y. Oh, entrez, madame, entrez, monsieur. Cette jeune dame est toute trempée. Oui, nous avons eu un accident de voiture à quelques kilomètres d'ici. Oh, vous allez passer la nuit ici? Oui. Il ne nous reste qu'une chambre avec un seul lit. Ça ne vous dérange pas? Oh non, 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 pas du tout, au contraire. Non. Vous êtes mariée, je suppose? Oui. Oui. Et vos bagages sont sans doute... Ils sont restés dans la voiture. Je peux peut-être arranger ça en ce qui concerne, madame. Mais remplissez votre fiche en attendant. James, le registre? Voilà, voilà. Je vais monter vous allumer un bon feu. Vous n'avez pas envie de dîner? Non, merci. Faites seulement monter un grand whisky avec de l'eau de sel, c'est des sandwichs. Et un verre de lait. Très bien, monsieur. Je suis incapable d'écrire de la main gauche, mais je sais tirer par contre. Vous pouvez dîner ce qu'il y a dans cette poche. Fais le nécessaire, chérie. Plus vite tu t'habitueras à écrire ton nouveau nom, mieux ce sera. Allez, on y va. Monsieur et madame Henry Hopkinson, les Hortensias, Hammersmith. Je reviens dans une minute, les amis. Ah ouais, fais vite, hein, on peut pas jouer sans toi.
Allons, mon petit, enlevez cette robe qui est toute mouillée, que je la fasse sécher dans la cuisine. Ah, ne vous faites pas de soucis, elle séchera tout aussi bien devant le feu, mais merci quand même. Je n'ai pas d'inquiétude, monsieur va s'occuper de vous. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est son mari, tu crois? Je n'en sais rien et ça m'est égal. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'ils s'aiment follement. Je ne supporte pas ce genre de situation. Je vais leur raconter toute l'histoire. Vous voulez qu'on me pende pour un crime que je n'ai pas commis? Qu'on vous pende. Tout le reste m'est indifférent. Oh, restez là. Laissez-moi partir. Vous ne pensez pas que je vais rester dans cette chambre? Mais si vous ne pouvez rien faire, montrez. Allez. Je peux entrer? Allez. Entrez. Du calme. Nous étions en train de nous réchauffer devant le feu. Ah, c'est ce que je constate. Je crois qu'une bonne bouillotte arrangerait bien les choses. Ah oui, merci. Tu seras contente d'avoir une bouillotte, n'est-ce pas, chérie? Dites oui, chérie. Oui, chérie. Très bien. Alors... Non, attendez, ne partez pas. Pourquoi donc? Vous n'êtes pas souffrante? Non, tout va bien, rassurez-vous. Il voulait seulement vous faire une confidence, vous dire que je l'ai enlevée afin de l'épouser. Je l'ai su à la seconde où je vous ai vue. Et on vous court après. Vous ne nous trahirez pas, j'espère. Oh, monsieur, on ne fait pas ce genre de choses chez moi. Encore une fois, une très bonne nuit. Vous ne serez pas dérangé. Mais... Ne recommencez jamais ça, ou bien je vous jure que ça ira. Dieu soit loué, voilà enfin de quoi manger. Venez. Pour vous. Et maintenant, quelle est la suite du programme? Essayez d'enlever ces trucs. Bien sûr, et comment va-t-on s'y prendre? Vous n'avez rien qui pourrait nous être utile? Une paire de ciseaux ou une épingle à cheveux? Vous croyez qu'une lime à ongles pourrait faire l'affaire? Oh, tout à fait, ça va prendre 10 ans, mais on peut essayer. En attendant, installons-nous confortablement. Vous voulez vraiment garder cette jupe sur vous? Elle est trempée, vous en convenez, non? Je ne veux pas avoir à partager une pneumonie avec quelqu'un qui me méprise tant. Enlevez-la, je ferme les yeux. Il n'en est pas question une seconde. Très bien. Gardez-la. Mes chaussures et mes bas sont trempées. Je crois que je vais les enlever. Devenez raisonnable, m'envoyez ravi. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, merci. Excusez-moi. Tenez-moi ça. Avec plaisir. Ah, attendez. Merci. Y a pas de quoi. Vous voulez votre lait maintenant? Ah, non, merci. Dans quelques minutes. Très bien. Santé. Ah, ça va mieux. Est-ce que vos pieds sont réchauffés? Oui. Bon, venez. Voulez-vous avoir l'amabilité de prendre place sur la table d'opération? Allons, personne ne vous fera de mal, c'est l'armistice aujourd'hui. Reposons-nous pendant que nous le pouvons encore. Je n'ai pas l'intention de dormir dans ce lit. Tant que nous sommes enchaînés l'un à l'autre, vous y êtes obligés, nous sommes siamois. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Me réjouir? Vous croyez que je suis particulièrement heureux à l'idée de me réveiller à côté de quelqu'un, le visage pas lavé, luisant? Je suis quelqu'un de raffiné, moi. Passez-moi cette lime à ongles, voyons ce que ça donne. Merci. J'aimerais me sortir ce bon dieu d'air de ma tête. Je me demande où je l'ai entendu. On dirait que vous avez sommeil. Oh, sommeil, c'est rien de le dire. Devinez depuis quand je n'ai pas dormi dans un lit. Je crois que c'était samedi. Je suis pas sûr. Et encore 2 petites heures. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Vos rêves? Pourquoi pensez-vous que je rêve? On dit que les meurtriers font souvent des rêves horribles. Ah, mais ça, c'était au début. J'ai dépassé ce stade depuis longtemps. Lorsque j'ai commencé dans cette voie coupable, ça m'arrivait, c'est vrai. Étant enfant, j'étais très sensible. Vous vous surprenez beaucoup. Très souvent, je me réveillais la nuit en criant parce que la police me poursuivait, mais on s'endurcit. Comment avez-vous commencé? Oh, très modestement, comme la plupart des gamins, en chipant des sous aux autres gosses de l'école. Ensuite, un peu de vol à la tire, et puis des vols de voiture. Et après, les cambriolages, l'engrenage, quoi. J'ai tué mon premier homme quand j'avais 19 ans. Un jour, vous viendrez me voir au musée Grévin avec tous vos petits-enfants, j'y serai en bonne place. Dans quelle section? Je suis encore jeune, qui peut le savoir. Mais bien sûr, j'y serai. Simplement, j'ignore la section. Oui, vous me montrerez du doigt et vous direz, Édouard, je vais sans doute vous surprendre, mais autrefois, j'ai bien connu ce gentleman. Oh, vous me pincez le poignet avec ces choses affreuses. Ah, désolé.
En fait, c'est au musée Grévin que ça a commencé. De quoi parlez-vous? Ma carrière de criminel. J'ai une lourde hérédité, mon grand-oncle Penradoc. Qui était-ce? Mon Dieu, vous n'avez jamais entendu parler du barbe bleue de la Cornouaille, vraiment? C'était une célébrité. On est bien peu de choses. Je croyais votre famille originaire du Canada. Non, c'est après l'affaire Penradoc qu'ils y sont allés. Oui, imaginez qu'il a tué trois épouses sans qu'on le soupçonne, à part la mère de sa troisième qui a tout fait pour qu'on l'arrête. Croyez-vous qu'elle a réussi? Non, c'était un petit malin. Il l'a emmené faire un tour sur la côte, il l'a poussé de la falaise et elle s'est noyée. Et il est depuis au musée Grévin, dans la section des criminels, évidemment. Vous devriez lui rendre une petite visite. Impossible de vous tromper, c'est le troisième à gauche, entre Barberousse et Jack l'Éventreur. Et voilà la triste histoire de ma courte vie. Pauvre orphelin qui n'a jamais eu de chance. Avez-vous toujours l'intention de me livrer à la police? Je ne serai pas parti très longtemps, ne t'inquiète pas. Bien sûr. Es-tu sûr que tout se passera bien? Obligatoirement. Ils les rattraperont très vite. Dès que j'aurai pris ce que tu sais, je quitterai ce pays. Fais attention. Je t'en prie. Au revoir. Envoie un télégramme. Au revoir. Quelqu'un? Bonjour. Téléphonez. Je suis chez le professeur Jordan. Voulez-vous me passer, Madame Jordan? C'est Madame Jordan? Oh, il est déjà parti pour Londres. Oui, si ça ne vous ennuie pas, je le voudrais chaud, mon whisky. Je vais aller vous chercher de l'eau chaude. Oui, excusez-moi. Nous nous sommes trompés de route. La fille nous l'a livré parce qu'elle a cru qu'on était des policiers. Nous avons dû l'emmener aussi parce qu'il lui avait tout raconté. Entendu, madame. Je comprends. Bien, madame. Alors? Le vieux à la frousse. Il a déjà mis les voiles. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit que c'est trop dangereux avec Anna qui est en vadrouille. Il avertit les 39 marches au complet. Et est-ce qu'il a le... Enfin, tu sais. Oui. Et il embarque notre ami qui est au Palladium en partant. Voilà votre grog. Ça vous fait 2 shillings et demi. Et le téléphone?
Oh, disons un shilling. Est-ce que c'est un hôtel aussi? Eh oui. Et vous avez du monde en ce moment? Ah oui. Je suppose qu'il vous arrive d'avoir des gens bizarres des fois, non? Oh, ça oui. Vous avez peut-être eu des clients ce soir? Oui. Est-ce que ça ne serait pas par hasard un jeune couple, vos clients? James! Deviendrais-tu fou? Mais enfin, quelle sorte de crétin suis-je marié? Tu veux nous envoyer tous en prison, c'est ça? Combien leur as-tu pris pour 3 shillings et demi. Oh! Dehors! Dépêchez-vous! Et surtout, ne dites à personne qu'on vous a servi à boire après l'heure. Oh! Je te connais bien, tu sais. Tu ne voudrais pas dénoncer des jeunes amoureux, pas vrai? Bonjour. Et comment avez-vous fait? Comment l'avez-vous enlevé? Avec beaucoup de patience, j'ai réussi à me dégager hier soir et je suis venue camper ici. Pourquoi n'êtes-vous pas partie? J'y ai songé, mais au moment où je descendais, j'ai découvert que vous aviez dit la vérité. Et j'ai décidé de rester. Puis-je vous demander quelle est l'étincelle qui a remis en route votre cerveau? Les deux hommes étaient ici hier soir. Ils téléphonaient, j'ai tout entendu. Que disaient-ils? Oh, c'était à propos... À propos des 39 marches. Les 39 marches, mais non, continuez. Une personne va les avertir, mais comment prévient-on des marches? Non, ça fait rien, continuez. Oui, ça me revient. Leur mot, c'était que quelqu'un à la frousse et... Ah oui, c'est ça, qu'il allait prendre un ami à Londres au Palladium. Au Palladium? Serait-ce le professeur, l'homme à qui il manque une phalange? Pourquoi veut-il aller là-bas? Je m'en veux vraiment de ne pas vous avoir cru. Non, mais ça fait rien. Nous devrions peut-être... Nous devrions bouger. Quel est le numéro de leur chambre? Mais ils ne sont pas là. Après leur coup de fil, ils sont partis. Ils quoi? Je ne vous l'ai pas dit. Vous les avez laissés partir après avoir entendu leur conversation? Mais vous n'êtes qu'une bécasse, voilà ce que vous êtes. Je vous défends de parler sur ce ton. Quatre ou cinq heures perdues à cause de vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé? Un enfant se serait aperçu que ce qu'il disait était important. Puisque nous en sommes débarrassés, pourquoi ne pas les laisser courir? Ah, ne soyez pas ridicule, ma chère amie. Je suis accusé de meurtre. Êtes-vous incapable de comprendre que la seule façon de me disculper, c'est de démasquer ces espions? Eh bien, il est encore temps. Cet homme va à Londres au Palladium. Oui, mais où? Salle 1, salle 2, j'arriverai avec 5 heures de retard. Parfait, vous verrez un spectacle fait pour vous. Qu'est-ce qu'on joue? Un mois fou. Vous
avez raison, madame. Il est exact que le ministère de l'air a quelque chose de nouveau qui intéresse beaucoup de gens. Mais ils sont affirmatifs, il ne leur manque aucun document susceptible d'intéresser un espion. J'en suis absolument certaine, monsieur. Un homme va quitter ce pays ce soir avec quelque chose. Depuis que vous avez téléphoné d'Écosse ce matin, nous avons fait des recherches extrêmement minutieuses. Ah. Il est évident que je perds mon temps ici. Un instant, je vous prie, madame. Vous ne nous avez pas dit où est Richard Hannay? Je n'en ai pas la moindre idée. Écoutez, vous ne pouvez pas... Vous êtes dans l'annuaire, bien entendu. Oui. Si quelque chose se produit, nous vous appellerons. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Dites à Archer et à Seagrave de prendre un taxi et de suivre cette dame. Elle nous conduira tout droit à Hannay. Surveillez toutes les issues et ne laissez personne quitter le théâtre, compris? Vous deux, tenez-vous à l'orchestre. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons chanter! Avancez, ne restez pas là. Allons, avancez. Désolé, mais personne ne doit quitter le théâtre. On peut même pas aller boire un verre. Pour votre billet, madame. Ah, j'ai déjà ma place, mais je cherche un ami. Je peux passer. Bon, allez-y. Elle retourne à l'orchestre maintenant. Venez. Oui, mais vous ne pouvez rien faire. J'étais à Scotland Yard. Ils sont formels. Pas un document du ministère de l'air n'aurait disparu. Mais vous avez entendu dire aux deux hommes qu'il serait là et il est ici. Est-ce qu'on l'arrête maintenant, chef, ou on attend l'entracte? Mais puisque rien n'a disparu, vous ne pouvez rien faire. C'est celui que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. C'est ici que je l'avais entendu auparavant, bien sûr, dans ce music hall. Annabella Smith. Mesdames et messieurs, avec votre aimable attention et votre permission, j'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'un des hommes les plus remarquables qui soit au monde. C'est le même homme. Cet homme mémorise 50 faits nouveaux et ne les oublie plus. Il se souvient de chacun d'entre eux. Des faits relatifs à l'histoire, à la géographie, pris dans les journaux ou les manuels scientifiques. Des milliers de faits et de découvertes dont il se souvient jusque dans leurs plus petits détails. Mettez-le à l'épreuve, mesdames et messieurs.
Posez-lui n'importe quelle. J'ai compris, je sais pourquoi aucun document n'a disparu. Tous les renseignements sont dans la tête du bonhomme, c'est clair. Voici Monsieur Mémoire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce que je raconte, les secrets du ministère de l'air ont été empruntés et puis mémorisés par ce petit homme. Et puis replacés avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Et c'est pour ça que le professeur est ici. C'est pour l'emmener hors d'Angleterre après le spectacle. Mais oui, c'est ça. Non, il y a des messieurs qui désirent vous parler, monsieur. Une question, s'il vous plaît. Je vous en prie, une question. Quand Oxford a-t-il gagné la course? En quelle année Lindbergh a-t-il traversé l'Atlantique? La hauteur d'Empin, cette. J'ai pris Charanet. Il se passe des choses ici, dans le noir. Je viens, mais cet homme sur scène, soyez il faut... Soyez raisonnable, vous ne voulez pas gâcher le plaisir du public qui n'y est pour rien. Est mort le général Gordon. Quelle est la capitale de ville? Dites-nous ce que sont les 39 marches. Allons, répondez! C'est quoi les 39 marches? Les 39 marches, c'est le nom d'une organisation d'espions qui collecte des informations pour le ministère des Affaires étrangères. Oh oh, c'est l'homme de la loge qui a tiré. Pas de raison d'être effrayé, il n'y a pas de raison du tout. Oui, ça va très bien, vous asseyez-vous. Non, non, je ne veux pas de chaise, je vais bien. D'accord, laissez-moi d'accord. Manger quelques minutes là sur le doucement, sol. Doucement, c'est ça, doucement. Doucement. Très bien. Vite, envoyez les girls. Les girls en scène tout de suite. Monsieur Mémoire, quelle était cette formule secrète que vous alliez emporter à l'étranger? J'espère que ça ne m'attirera pas dans lui. Ça n'a pas été facile de l'apprendre. Ça m'a demandé un immense effort. Et je ne veux pas que tout ce travail ne serve à rien. Non, ne vous inquiétez pas. La principale caractéristique du nouveau moteur est que son taux de compression grandement accru, représenté par R moins 1 sur R à la puissance gamma, où R représente le taux de compression, et gamma, vu en élévation terminale, l'axe des deux lignes d'un cylindre, à un angle de 65 degrés. Dimension des cylindres comme suit. Ce dispositif rend le moteur complètement silencieux. C'est bien ça, monsieur? Absolument, cher monsieur. Merci, monsieur. Merci. Ravi que ce soit sorti de mon esprit. Enfin.